Rahab Lihnin, créateur marocain. Je suis natif de Rabat et j'ai mes ateliers aussi à Rabat. Kaftan est un événement qui permet aux créateurs de s'exprimer. C'est un podium qui donne la chance aux créateurs d'exprimer leur savoir-faire, leur créativité et aussi le savoir-faire des artisans. Cette année, on est tous réunis pour la 20e édition. On l'a fête ensemble, 20 ans d'élégance, 20 ans de créativité. Alors, quelles sont les inspirations d'un créateur? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut poser cette question à un créateur vu qu'un designer peut s'inspirer de tout et n'importe quoi? Certes, on a des préférences. Moi-même, j'ai démarré en utilisant beaucoup de draperies inspirées de la Grèce antique. Et ça continue d'année en année à identifier mon style. Je pense que déjà la vision d'un homme vis-à-vis de la créativité ou vis-à-vis de la femme est différente que celle de la femme vis-à-vis de la femme. Du coup, on essaie, un créateur homme essaie toujours de mettre en avant les atouts d'un corps féminin. C'est pour ça que j'aime bien les matières fluides qui ressortent cette féminité. J'aime bien les silhouettes qui sortent d'un conte de fées. J'aime bien cette magie des tulles sur une silhouette. Et je pense que cette question, il faudra la poser aux clients qui arrivent à reconnaître mon style en voyant les collections. Et c'est, je peux dire que c'est une bénédiction de pouvoir repérer le style d'un créateur sans pour autant avoir le nom ou l'étiquette sur la tenue. Si je peux remercier aujourd'hui quelqu'un, je commencerai par ma famille qui me supporte pendant toute la période de créativité, qui est une phase très difficile et qui dure 5-6 mois. Après, je remercierai bien sûr l'organisateur de cet événement de prestige, qui est le groupe Caractère, et les personnes qui veillent sur le bien-être des créateurs.